Eh ben écoute, je suis venu parce que je t'ai découvert sur YouTube, un peu comme tout le monde je pense. C'est mon premier toutou et j'ai envie de construire une relation vraiment de complicité avec lui et voilà, pour pouvoir l'emmener partout et pour avoir la bonne méthode pour l'éduquer quoi. Donc voilà, je viens de voir aujourd'hui pour tout ça. Et donc lui c'est Jaro, petit border collie, hein, taille de crevette, mais bon, très intelligent déjà, 3 mois normalement, aujourd'hui. Il est venu là te voir et voir Dexy. J'ai toujours été passionné des chiens, j'en ai jamais eu parce que j'ai jamais eu l'opportunité jusqu'à présent, mais je vois que bon déjà il y a quand même on va dire 60% des chiens qui sont malheureux, tu vois, enfin je le vois franchement. Et voilà, je vois que toi tu as une méthode pour avoir une complicité, pour pas être là avec les friandises, pour pas être là avec les méthodes coercitives aussi dites traditionnelles. Voilà, j'étais une fois dans un club canin, les mecs ils pendent leur chien à bout de laisse, voilà, ils leur gueulent dessus, enfin c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour c'est de développer une méthode positive. Est-ce que tu t'es fait une petite idée sur la venue de Dexy? Ah bah écoute, c'est vrai qu'il est pas bien gros là encore, alors je pense qu'il va être un peu impressionné quand même, même si des fois il a tendance à prendre des chiens en grippe, à leur aboyer dessus un peu, mais toujours en laisse par contre, jamais quand il est détaché. Et là avec Dexy, je sais pas, je pense qu'il va être un peu apeuré, mais qu'après ils vont essayer de communiquer et puis peut-être de jouer un peu, je sais pas s'il va aboyer, on va voir. On va voir, ça va être la surprise. Bah oui, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas aller voir le docteur Dexy? Tu vas aller voir le docteur Dexy? Bah oui, elle est contente. Dexy, on va aller faire docteur? Oh oui, on va faire docteur. Tu l'assures, papa? Oui, sous. Ok. Ok, on va lui enlever tout de suite. D'accord.
Alors, qu'est-ce que Dexy vient de nous dire? Qu'on peut enlever la laisse. Eh bien, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Ça, au début, je croyais que c'était un peu d'agressivité, mais là j'ai compris ces derniers jours que c'était de la crainte en fait. À chaque fois qu'il s'est battu avec le chien, c'est qu'il avait. Parce qu'il s'est pas joué, j'ai jamais vu jouer en fait. À chaque fois, il a peur et du coup, quand il se sent un peu acculé, bah, et du coup, il aboie et il y va, mais sinon. Bonjour mon bébé, bonjour, oh avec son petit collier bleu blanc rouge, oh bah que t'es magnifique, oh là là. Il va super bien ce collier bleu blanc rouge, ouais, je l'ai mis ce matin, donc voilà, ça y est, il a adopté, le collier gun. Eh ben écoute, Dexy, de toute façon, je la voyais comme elle est, une chienne exceptionnelle qui comprend sa race parfaitement et qui arrive à justement à éduquer ses congénères. Je pense qu'elle sait analyser les chiens mieux que personne, mieux qu'un être humain, parce que forcément on n'a pas leur langage inné. Donc voilà, Dexy, elle a un super boulot et je pense qu'elle a encore beaucoup de chiens à voir parce que je pense qu'il y en a qui en ont besoin. Voilà. Ah.
Eh bah écoute, déjà, je suis super content. Ça, c'est le plus grand ressenti que j'ai. Jaro, là, il se porte super bien. Il a joué toute l'après-midi avec tes chiennes. Voilà, par rapport à hier, il y a un changement radical. Voilà, je suis super content d'être venu. Je conseille à tous de venir te voir parce que voilà, c'est génial. On apprend vraiment les bases pour une bonne éducation. Et voilà. Dexy est formidable, toute l'après-midi elle a bossé, elle a surveillé Jaro, elle a remis à sa place quand il fallait, joué avec lui quand il fallait. Non mais c'est vrai qu'au début, voilà, j'ai voulu trop bien faire, j'ai pris mon chien, j'ai acheté les bouquins, j'ai regardé les méthodes, je me suis renseigné sur les clubs canins, machin. Parce que bon, c'est vrai qu'au début, quand tu connais rien, tu fais confiance aux gens autour de toi. Et puis au final, maintenant que je te rencontre et après avoir vu tes vidéos déjà où je m'étais fait une petite idée, je vois qu'en fait on essaie que nous enseigner à mettre des troubles aux chiens, à mettre des dépendances et au final à faire tourner le commerce et à faire tourner les lobbies et, comme d'habitude. Et en fait, voilà, faut faire confiance en son instinct, essayer de pas lire des livres qui mettent des troubles aux chiens et venir voir Joseph pour la méthode Gun, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est clair. Là c'est trop, là les gens vont pas t'y croire, ils vont dire, lui a donné un petit billet sous la table. Ah non, mais je suis super content quand tu vois Jaro aujourd'hui, c'est un autre chien quoi. Jamais j'aurais pu avoir ce résultat moi tout seul, voilà, avec Dexy derrière qui l'éduque. C'est juste impressionnant, il n'y a pas d'autres chiens à son niveau qui peuvent faire ça quoi. Donc voilà, je suis sincère, hein, c'est vraiment, je suis content. Boris, on va se quitter. Merci d'être venu à la méthode Gun. Tu vas prendre la route, 5 heures de route. C'est ça. Eh bien, écoute, bonne route à toi, sois prudent. Ça te dit qu'on se quitte en musique là? Allez, avec plaisir, qu'est-ce que tu nous mets? Bah, ce que tu veux. C'est parti, bah écoute. Musique de Noël, regarde, t'es derrière un sapin là. Eh bah allez, on va se quitter avec la musique de Noël. Let's go. C'est parti. La mienne, elle a 6 mois. Je sentais que je la maîtrisais pas.
pas au niveau de l'agressivité, mais voilà, elle tire beaucoup. Regarde la tienne, ok? Elle a une force, elle a une patate, elle a une poigne. Je crois qu'on s'imagine même pas. Si on fait pas les choses dès le début, on peut toujours rattraper, bien sûr. Mais si on les fait pas dès le début, ça peut vite tourner au cauchemar. Ça, c'est sûr.